Allez, salut, salut les gars, voilà. Donc, comme je l'avais promis, pour ceux par exemple comme ça qui avaient parlé d'une différence entre la licence et le master en ce qui concerne la bourse de Calabria, donc je vais faire une petite vidéo rapidement pour que vous sachiez ou bien vous voyez ce que vous appelez différence. Donc, on va aller un peu plus rapidement. Et surtout, je voulais remercier ceux qui me suivent et puis ceux qui partagent aussi mes vidéos. Si c'est la première fois que vous voyez ma vidéo, essayez de vous abonner et puis essayez aussi de liker parce que ici je donne des informations sur les types de bourses. J'aide aussi à les postuler. Donc, ici, si vous avez bien remarqué, j'avais déjà fait la vidéo pour la licence. Donc, mes coordonnées sont toujours là. Les coordonnées viennent toujours en inbox, c'est-à-dire dans votre Gmail. Donc, mes coordonnées sont toujours là. Alors, je vais aller rapidement pour pouvoir accéder et puis postuler à celle de master. Voilà, parce que j'avais déjà excusez-moi, j'avais déjà fait pour la licence, donc je vais postuler à celle de master. Donc ça c'est mon compte. Donc je viens dans Segregia ici et je viens dans admission ici. Voilà, donc à partir de cet instant-là, ça par exemple, je vais annuler la procédure. Pour cette procédure-là, je vais annuler. Voilà, parce que c'était pour la licence, je vais annuler ça. Ok, et une fois que j'annule, je reviens à ce stade-là. Donc, je vais maintenant postuler pour le master. Donc, si je mets un peu en français, ici, voilà. Donc, ça, ce sont les éléments que nous allons remplir pendant tout le processus. Voilà, pendant tout le processus, voici tous les éléments que nous allons remplir. Donc, c'est ce qu'ils nous ont montré. Donc, c'est comme pour la licence aussi, je viens, je clique sur ici. Pour moi, c'est un peu bizarre, mais chez vous, ça va bien s'afficher. Et ici, là, voilà, pour les vidéos précédentes, j'avais choisi cursus. Cursus, c'est pour ceux, par exemple, comme ça, qui veulent postuler pour, par exemple, la licence. Voilà, et les diplômes de 5 ans, ça, c'est l'ingénierie. Les diplômes de 6 ans aussi, ça, c'est l'ingénierie. Voilà, et il y a cours de master. Voilà, donc c'est à vous de voir. Donc, j'ai choisi par exemple cours de master pour vous aider un peu à voir comment est-ce que vous devez postuler, puisque j'avais déjà fait pour la licence. Donc, pour ceux qui me demandent pour le master, voilà, je suis en train de faire pour le master. Donc, j'espère que vous allez vous retrouver. Et ici, j'ai choisi avancer. Donc, arrivé là, voilà, si vous avez bien remarqué, il y aura des éléments qui sont enseignés en anglais. C'est la même chose comme la bourse de Milan. Vous voyez ici par exemple, vous devez choisir tous les éléments qui sont en Call of Extra UN Student. Vous comprenez? Et si vous avez bien remarqué ici, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo précédente, vous pouvez aller suivre. Vous pouvez regarder inbox ou bien vous pouvez regarder en description. Je vais mettre le lien là-bas. Si vous voyez ici par exemple, la date ça finit quand? Ça finit le 14 avril. Alors que si vous regardez ici par exemple, je vais vérifier. Si vous regardez bien, tout est indiqué 14 14 14 avril, alors que pour les licences il y a aussi les données en mai. Vous comprenez? Ici tout finit le 14 avril pour la licence par exemple. Si je choisis, je vais revenir un peu pour vous montrer un peu de quoi je suis en train de parler. Si je prends ici par exemple pour la licence ici et que je fais avancer un instant, je vais juste vous montrer pour la licence. Vous voyez que il y a un instant, je vais mettre en français. Regardez bien pour la licence, il y a ici extra U le 14, mais si vous choisissez les admissions anticipées, vous voyez que ça va jusqu'en mai. Voilà, donc si vous devez postuler, c'est pourquoi je vous ai dit à chaque instant, si vous voulez postuler, essayez de choisir les appels pour étudiants extra U. Comme ça veut dire que vous êtes certain et vous êtes sûr que vous faites partie de la bourse de Calabria pour pouvoir postuler. Ok, donc je reviens toujours sur le master. Donc je vais repartir ici. Vous voulez choisir la licence, ça on a déjà fait. Je vais choisir master et puis je vais avancer. Ok, master. En ce qui concerne les langues, c'est écrit juste à côté. Je vous ai déjà dit ici par exemple, comme ça, je vais mettre en français encore. Ici par exemple, comme ça, vous voyez intelligence artificielle et informatique, c'est enseigné en anglais. Vous comprenez, c'est enseigné en anglais. Et ici, alors que ici c'est pas précisé, donc ça veut dire que vous pouvez avoir l'enseignement en italien,
vous comprenez, voilà, ou bien italien, anglais, mais si c'est en anglais, ils vont préciser, mais ici, ils n'ont pas précisé. Donc, si vous remarquez ici, voilà, après la candidature, chimie aussi est enseignée en anglais. Il y a génie civil qui est enseigné aussi en italien. Donc, vous pouvez choisir, et si c'est enseigné en italien, alors vous pouvez mettre vos documents en français, et l'université ou bien la faculté va faire d'abord un cours de langue en italien avant de vous suivre pour pouvoir postuler, pour pouvoir finir vos cours en chimie. Voilà, mais ça sera en italien. Voilà, donc j'espère que vous comprenez ce que je dis. Donc moi je vais choisir quoi, data science ici for business analytics. Ok, donc à date limite c'est le 14 avril aussi à 23h59. Donc une fois que j'ai fini de choisir, je viens sur avancer. Je fais cette vidéo là pour ceux qui m'ont écrit un message pour ce qui concerne la différence entre la licence et le master. Voilà, donc vous allez voir qu'il n'y a pas aussi une grande différence. Vous voyez que depuis c'est la même chose, il n'y a pas une grande différence que ça. Ici aussi c'est la même chose. Donc vous faites avancer, vous cliquez sur non et vous faites avancer. Maintenant, si vous avez l'handicap, vous mettez oui et puis voilà, vous faites avancer. Donc ici, ok, tout est bien. Donc vous vérifiez seulement. Donc je fais confirmer. Voilà, et une fois que j'ai fini de confirmer, j'arrive là. Ici dans les normes, ça doit être en rouge. Ici doit être rouge parce que c'est vert pour moi, c'est coché pour moi parce que j'avais déjà fait une première vidéo où j'avais déjà inséré quoi, inséré le diplôme, les coordonnées du diplôme du diplôme du baccalauréat. Voilà, les coordonnées du diplôme secondaire, c'est pourquoi c'est rouge. Maintenant, ceux qui vont par exemple comme ça commencer, ceux qui vont pour la première fois arriver sur ce site là, ça sera en rouge. Et eux aussi, ils doivent maintenant faire quoi, ils doivent mettre les éléments pour pouvoir avoir ce qui est là. Vous voyez que moi j'avais déjà rempli et tout ça, moi j'avais déjà rempli, donc c'est pourquoi c'est en vert. Maintenant, ceux qui viennent juste de voir la vidéo là, si vous voulez commencer à remplir, ça sera en rouge comme ça. Voilà, pour la licence tout ça ne s'affiche pas. Pour la licence les éléments qui sont là ne s'affichent pas, les trois éléments ne s'affichent pas. Et pour le master, ça s'affiche. C'est le seul élément qui diffère entre la licence et le master. Donc, pour ceux qui sont un peu troublés et tout ça, je pense que vous ne devriez pas. Vous devez seulement maîtriser ce qui est là. Et puis voilà, c'est tout. Donc, arrivé là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez comme ça choisir. Vous voyez ici, il y a diplôme ici. Ici, il y a premier degré. Et ici, il y a titre étranger. Donc, vous prenez titre ici étranger. Vous comprenez? Donc, si je prends, regardez très bien ce qu'ils ont écrit là. Pour continuer, il est nécessaire de compléter l'insertion de toutes les qualifications d'au moins un bloc optionnel. Les différentes options affichent des titres qui sont alternatifs les uns aux autres. Donc, vous devez choisir un élément ici. Donc, si je choisis par exemple premier degré, ici, je vais cliquer sur insérer. Et lorsque vous allez cliquer sur insérer, regardez très bien ce qui se passe ici. Pour continuer à s'inscrire au programme d'études choisi, il est nécessaire d'indiquer l'établissement qui a délivré le diplôme. Donc ici, dans cette même université ou bien dans une autre université, Donc je vais choisir dans cette même université et voyons voir ce qu'ils vont vous afficher. Ici, on vous dit quoi? On vous dit ici atteint pas encore. Donc si je mets atteint parce que j'ai la licence, je vais cliquer là. Et puis ici, on me dit quoi encore? Je suis en train de vous montrer un peu quelle est la différence. Il est obligatoire de choisir un programme d'études. Donc ici, vous comprenez, on dit qu'il est obligatoire de choisir un programme d'études. Donc ce que moi je voulais vous montrer, c'est quoi? C'est que lorsque vous arrivez là, par exemple, ici, dans la partie où vous devez choisir l'option, vous ne prenez pas la première option ni la seconde option. Vous prenez la troisième option qui vous concerne, qui est à l'étranger. C'est-à-dire vous avez eu votre diplôme à l'étranger. Donc je retourne encore. Je retourne ici, voilà, et ici je choisis ici étranger. Donc je mets insérer, et à partir de cet instant là, vous voyez que tous les éléments s'affichent là. Donc ici je vais mettre quoi, atteint, et ça redevient identique à ce qu'on a déjà fait, c'est à dire pour la licence, vous comprenez. Et à partir de cet instant là, vous continuez comme pour la licence, vous faites la même chose comme pour la licence et c'est tout. Vous comprenez un peu. Donc je vais pas aussi remplir tous les éléments là parce que voilà. Donc j'espère que vous comprenez.
vous prenez seulement à l'étranger, vous prenez que vous avez votre diplôme à l'étranger, et à partir de ce temps-là, vous commencez à remplir ici. Donc ici, arrivé là, et allez très bien ici. Pour ceux qui se trompent, ne choisissez pas encore terminé. Si vous choisissez pas encore atteint, ça veut dire que vous êtes en licence 3 et que vous voulez faire le master. Maintenant, si vous avez déjà le master, vous choisissez ce qui est là, et puis les éléments vont réduire pour pouvoir insérer vos données. Voilà, donc les gars, c'était un peu ça. Vraiment, maintenant, ça, pour ceux qui ne vont pas comprendre encore, là, c'est autre chose. Voilà, donc, ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Donc, je crois que pour la bourse de Calabria, c'est clos. Alors, ceux qui veulent postuler, qui pensent qu'ils ne peuvent pas postuler, vous pouvez nous écrire inbox. Voilà, on va essayer de se comprendre et puis on va essayer de postuler pour vous. Ok, donc, c'était moi de Sam Hospital, les gars. Et puis, à plus aussi, les gars.